Attends, il y en a deux ? Il y en a deux sur moi là. Ouais, ouais. Je suis en train de me faire défoncer. Oh la vache. Ah, les deux sont. Ah, mais elle a 46 KPV, c'est chaud hein. Attention, attention. Allez. Ah, ouais, avance un peu, fixe. Voilà, allez, là elle sort, voilà. elle sort, il y en a une. Ah non, elle s'est poussée dans la chute. Faites attention. En fait, il faudrait qu'on arrive à les faire tomber dans la. Oui, parce qu'on n'a pas de. On n'a pas de lumière. T'as pas ton canon de lumière, Vixie? Oh, non, je l'ai pas pris. Attends. Et mon truc, il est mort. Écho. Est-ce que t'as ton film photo qui va faire suffisamment de DPS? Mais moi, je la vois glitcher dans la structure, là. Il y a une équipe qui va perdre déjà pas mal. Essayez de les emmener ici là, elles vont sortir des trucs. Au pire, bouge avec le giga, je vais tanker la queen. Venez par là. Je pense qu'elles vont sortir des structures ici. Vas-y, bouge avec ton giga, barre-toi, moi je vais la tanker avec le Rex. Pas longtemps parce que le Rex il va crever. Non mais viens aussi, ouais voilà. Bon attends parce que c'est compliqué hein. Oh, elle m'a tellement poussé. Oh la vache, ouais mais du coup c'est pas plus mal. Elle arrive. On se met dans l'angle. Ouais, elles sont. Le Rex va crever, je sais pas si j'essaie de le sauver ou. Si, ouais, va dans le. Très bien, parfait, c'est vite. Nickel. Nickel. Oh j'ai okay. Plus de batterie. Ok, je range le giga hein, par contre. Parce que... là, ah oui, elle est dans le jus là. Ouais, elles sont dans le jus. On essaye de les laisser dans le jus. Tant qu'elles nous ont en aggro, c'est bon. Ok, et quand elles sont H bas level. Ouais, ça marche plutôt bien, ouais. Non, c'est une bonne strat, hein. C'est comme ça. Allô ? Oui, c'est bon. C'est comme ça qu'on a fait tout à l'heure. Et là, elle est glitchée, celle que tu tires. Les deux le sont, hein. Je te rassure. Ouais, c'est pas trop mal. Moi, je les vois toutes les deux complètement glitch. Ah, ça y est, elle est glitchée. J'en ai une qui en a après moi. Elle est rentrée. Elle a réussi à m'avoir, quoi. Dans la structure, elle a réussi à m'avoir. Ça, c'est. Ouais, moi aussi. Ça va être compliqué, hein. Parce que si. Si on loot un sac, à mon avis, le sac il sera. Ouais, mais on doit pouvoir avoir le temps de looter le sac. Oui, je pense. Par contre, là, moi je suis en torpeur. Pas régène. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Je peux y aller à la tronçonneuse si tu veux. Ah, mais non, mais attends, je vais te rendre ton fusil. Hein. Aïe, putain, ouais. Ça me touche là. Oh, y'en a une là! Comment ça, y'en a une là? Je sais pas, j'en ai une là! Elle est quel level? Elle est pas glitchée du tout, level 20! Ah, c'est celle de tout à l'heure ça! Elle est pas glitchée du tout celle-là! Et bah, tu sais quoi, essaie de la tuer quand même mal du tout! Ouais, en plus elle. Elle s'est réenterrée l'autre! Elle a plus beaucoup de vie! Je la mets dans le. En fait, là, ce qu'il faut qu'on fasse. Ah, ça y est, elle ressort! C'est bon, elle est sortie! Il faut qu'on essaye simplement de récupérer une phéromone pour. On a 47 minutes pour y arriver! Pour qu'on puisse au moins faire sortir celle que Pixie il a sur lui. Et oui. Parce que celle-ci là, elle a trop de PV, on n'a pas ce qu'il faut pour tomber ça. Donc t'es où toi Pixie? Elle est où la tienne? Je suis presque en face de vous. Elle est à côté de toi Moutsou, t'as fait le tour et elle est pas loin de toi normalement. Elle me suit en nageant donc c'est parfait. Oh là, elle a aggro quelqu'un d'autre. Ah mais elle c'est celle que je vois pas du coup. C'est ça? Mais au moins celle-ci elle est pas glitchée du tout. Elle est sur toi hein. Oula. Tire dessus, Pixie, parce que. Il y en a deux. Mais sur la level 20. Mais la level 20 elle arrive à me tirer dessus, je la vois pas, c'est... Elle triche! Les deux sont sur vous. Ah non, j'en ai une sur moi. Question peut-être absurde. Elles ont combien de torpeur? T'as pas prendre de la torpeur? Je cherche, mais. Non, mais t'endormiras pas une queen. Hein. Je suis en train de me faire bouffer par un moustique, au secours!
Ah, je peux lui foutre le feu sinon avec mon arc tech. Tiens. Les deux sont déglitchés. Ouais. Moi je vois les deux si tu veux. J'ai... Oula, c'est quoi qui m'a touché là? Mon dieu, elle vise trop bien. Ok, il y en a une qui est 20 000 sur 45 000. Et l'autre, elle est à 34 sur 48. Ça leur fait des dégâts, hein, comme d'hab, le machin. Hein. Ouais. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Pix. Ouais. Je la vois donc toujours pas. L'autre. Là, elles sont bien. Ouais, le tout, c'est qu'elle est pas trop le temps de régène et ça devrait le faire. Elle a pas le temps puisque de toute façon, elle est dans. Non mais la bile redescend après. Bah si, si en fait si vous pouvez compenser pendant que la bile est en bas, vous pouvez le tuer au tech, ça devrait faire l'affaire. Ah mais on fire elle est pas la mal celle-là. Ah mais tu vas reprendre ton fusil Pixiro, t'es où? Et moi je suis en contrebas un peu caché parce que je suis à ta droite. Ah là 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 là, je prends cher. Pas ma droite, tiens. Merci. Ok, elle a 13 000. Ok, de toute façon, on l'a tue celle-là. Hein. Oui, oui, on l'a tue. Qui m'a tapé dessus? Ah, je me suis pris un coup de fusil. Et... Ah, je suis désolée, c'est possible. Je t'ai vu à un moment donné, t'es passé devant moi, mais bon, le coup était déjà parti, quoi. Ouais. Bon, ça va. Donc elle, c'est la 50. Vous avez beaucoup d'HP ou pas? Non. J'ai plus rien, moi. J'ai plus de vie. Je pourrais même pas essayer de me faire féconder, c'est... Ouais, non, mais c'est surtout par rapport pour aller looter le sac. Ouais, le sac, je peux le tenter, le sac. Parce que moi, je peux le tenter, je dois avoir 300 HP sur 50. Non, mais toi, tu es celui qui doit pas prendre de risque, en fait. Ouais, je sais bien. Toi, t'es enceinte. Ouais. Être enceinte, je ne bouge pas. C'est laquelle celle-là? Être enceinte, c'est pas une maladie. Non. Mais c'est précieux. Ah, ça, je dis pas le contraire. Ok. Elle est. Alors, incapable de voir son set. Je suis trop en torpeur, je vais m'endormir. Pose-toi en attendant. Là, elle est en train de nager carrément dans la ville. Donc. Salut, ouais, survivant. Ouais, c'est le moment. Elle doit bien faire une DPS. Et de toute façon, on sait que le sac, t'en as pour 5 minutes. Ça va te faire du bien. Qu'il dépop. Merci, mon pote. La ville aura eu le temps de descendre, je pense. Ouais, ça va le faire, t'inquiète. Le sac, moi, c'est pas ce qui m'inquiète, hein. C'est surtout d'arriver à la tuer. Ouais, bah. Elle est en train de saigner, hein. Ah, elle a encore 16 000 PV, hein. C'est elle qui me dépop. Et l'autre, je la vois toujours pas. Non, je la vois plus. Les deux sont l'une à côté de l'autre. Ok, bah j'en ai plus qu'une au visuel. Il lui reste 3000 de vie. Oh bon. Oh, ok, je me fais tirer par l'autre. Oh purée, je surchauffe. Ah, mais c'est pour ça que je prends de la torture de partout, parce qu'en fait, il y a d'autres qui sont invisibles qui me servent dessus. Ah, je crois qu'elle veut. Ah non. Non. Ok, je vois la deuxième, elle est glissée dans le cerveau. Ouais, parfait. La deuxième, on la laisse pour le moment, on finit celle-là. Éventuellement, on essaye de se faire. Faut pas qu'on ait les deux. Ok, elle veut se faire féconder, elle veut féconder la level 20. Ah bon? Oui. Je vois les phéromones. Bah écoute, mon sous dos et. Par contre, non. Ah, attends. Attention. Ouais. Voilà, et que tu te fais féconder, elle va te lâcher dans la. Ouais. Mais c'est pas elle, hein. C'est celle qui est là-bas au bout, hein. Ici, hein. Ouais, c'est ça, c'est le cas là. Ah, mais elle est full life, elle. Non. Ah non, mais d'accord. Celle qui
qu'il y a là au bout, hein. Ici, là, devant moi. Ah, mais je la vois pas, je pense. Ah, elle est morte. Ah non. Si. Si, si. Elle est morte. Ok. Bah. Si tu t'assois, si tu atterris sur elle, tu devrais pouvoir la buter et te réenvoler. Mais la deuxième, elle va mourir aussi, hein. Elle est en train de. La deuxième ? Non, non, oui, bah là, elle est en train de. Elle est en train de nager dans la bile, là. La bile ? La bile redescend sur la première. Pourquoi je peux pas mourir ? Et la deuxième, elle a 8000 sur 48000 encore, donc elle peut. Ça va me toucher, ça ? Ah oui, ça me touche. Elle peut t'en créer. Ok. On attend. Est-ce que vous la voyez, la level 20 qui est morte ? La 20, elle est devant moi, elle est. Vous inquiétez pas, j'y vais. Ok. C'est bon, j'en ai 5. Ok, bon, bah c'est bon, on tue la deuxième quand même. Attends. Si on arrive à ce qu'elle puisse me féconder. Féconder, ouais, c'est bon. Là, il faut peut-être essayer de la sortir. Ouais, si on la sort, c'est pas bête, hein. C'est une bonne idée. Là, elle est bien, là. Non, viens par là. Pour l'avancer un peu. Viens, cocotte. Voilà, viens par là. Ok. Aïe, ouah, j'ai mal, hein. Je surchauffe. Ah ! C'est toujours pas le moment. Ça fait des dégâts quand elle féconde ou pas ? Je me souviens plus. Ça te laisse un HP. Ouais, mais est-ce que ça t'enlève une partie de PV ou ça te laisse juste un HP ? Et si elle te chope du premier coup, ça va. Sinon, C'est ça. En fait, si elle te fout un coup de queue, c'est mort. Ouais. Viens par là. Allez, viens par là. Ouais, bien joué. Elle va être bien là, non? Ouais, elle est pas mal, elle est pas mal. Elle a toujours pas son aura rose. J'ai pas dit qu'elle l'est, au pire on prend pas de risque, hein, de toute façon. C'est une queen au moins? Ouais, c'est une queen. Ouais, c'est une queen, ouais. C'est bon. Ah c'est bon, oui, c'est bon. C'est bon. Vas-y, j'y vais. Go et ensuite on labourine ici, dès que c'est bon. Pas dit que ça passe, hein. Si jamais, mais tu. Aïe, putain. Non, il faut qu'elle te regarde d'abord. Ouais, je sais, je me souviens. Oh merde. Oh, t'es dans le. Ouais, je peux crever. J'arrive pas. Elle te sent. J'arrive pas à ressortir. Attends. Elle te prend. Ça y est, je me suis fait féconder. Je risque de crever, hein. Bah, vol, t'es prêt? Spam espace. Ouais, je spam espace. Ouais, c'est bon. Bien joué. Ok. Allez, crève. Laisse ça, bien joué, putain. C'est n'importe quoi. Oh la vache. T'as mis le plus épique qui soit, je crois. J'avoue. Oh, je suis si low life. Oh, je suis si low life. Est-ce que tu souhaites que je te sorte le giga? Je pense qu'il faut que je rentre en giga, ouais. Elle sait. Ok, c'est bon. Tiens. Non, attends, me dis pas que... Buter là, hein. Oh mon dieu, j'espère. Wow. Du coup, Mutsu, pour choper les niveaux facilement... Non mais je voudrais sortir d'ici, en fait. Oui, bah... Et l'XP dehors. Non mais en vrai, on chope une sentinelle, tu vas XP d'un coup, hein. Non mais j'ai 0 PV. Non mais moi j'étais pareil tout à l'heure. Ouais. Tant que tu te fais pas toucher par un basilic, c'est bon. Je la vois pas, hein. Vous tirez dessus là, mais je la vois pas. Ouais, on s'en occupe. Elle a plus de vie. Combien de temps il te reste, toi, Pixirou, sur ton. Ok, bien joué. C'est bon, c'est bon. Lootez-la. Voilà, si on la trouve. C'est bon. C'est bon. Oh non! Quoi? C'est bon, je vois le sac. Il y a le sac. Allez, c'est bon, on y va. Attends, pourquoi je suis full comme ça? C'est ce qu'il faut. Le giga n'a quasiment pas de poids, hein. Attendez, parce que je suis genre méga full, hein. Il peut pas porter grand chose, hein. Je lui avais désactivé le ramassage de ressources. Ouais. Après, peut-être qu'en mangeant en le cryo des cryos, ça a sûrement levé. Possible, je sais pas. Attends. Parce que c'est très compliqué là. Ouais. De le naviguer là-dedans. Ok. C'est par où la sortie à pied, du coup, ici, c'est à gauche, c'est ça? C'est tout de suite à gauche. Ok, il y a un Reaper King à devant. Reaper King, on va peut-être éviter, du coup, non? Bah, tout dépend, s'il a 5 HP, Vixie et moi, on peut le dépop. La chitine, tant pis, c'est pas grave.
Est-ce que. Oula, oula, sur moi. Ouais, ok, super, c'est parfait. Évite de te faire toucher directement par son espèce de. Eh ben. Ouais, ouais. Il faut que vous veniez m'aider. Ouais, ouais, mais ce sera très bien. Tu vas dépop tout ça et tu vas bien XP. Je me fais. Vous êtes où? Ah, vous êtes là, ok. On est au-dessus, on est au-dessus. Ok, elle me dit. Mais là, il faut qu'on ressorte. Oui, oui, vas-y, vas-y, avance, avance. Ok, ok, ok. Va tout droit et en dépopant tout ce que tu croiseras, tu devrais pouvoir pex 75 de mètres. Yes. Parce que. J'ai. Okay, j'ai une heure pour les pecs, les levels, donc. Ah, je la vois pas, je la vois pas. Ah ouais, elle est sur toi, avance. Je la vois pas, avance. Je la vois pas. Elle est sur toi, non mais elle va te faire avancer elle-même, ce sera voilà, pas voilà, voilà, avance, avance. Continue. C'est incroyable ce bug, hein. On a bien fait de prendre des éléments avec nous, hein. Je suis sur toi. Ça va pas, le giga est pas bien, faudrait pas qu'il enrage. Et bah il se remet à tout loot, du coup je suis ultra full. Ok. Le giga va crever. Hey, en vrai Moussou, si le giga crève, c'est pas grave. Non non mais Ah purée, j'ai été empoisonné. En fait, je me demande si. Oh merde. Continue, c'est pas grave. J'arrive. Je me demande si. Moi, je suis obligé, mais... Il passe là sous le truc, le giga? Oui, il passe. Il va crever. Au pire. Voilà, c'est bon, il est mort. Ouais. Ah, c'était quel chemin qu'on avait pris? Ah si, c'était par là. Pixie, moi je peux pas rester là, j'ai vraiment pas de vie quoi. Non, okay. va-t'en. Donc tu t'envoles, tu traces et tu vas jusqu'à la sortie. Faut juste que je retrouve le chemin en fait, mais je l'ai le chemin, je suis là. T'es là? Ok. Ok, Moussou, fais attention, t'as les deux Reapers aux fesses. Ouais, mais je me casse moi. Okay. Le PEX, j'ai une heure pour le faire, donc je peux sortir d'ici et. Ouais. Bon, on s'en va. Voilà. C'est toi, Pix, là, qui va commencer à être un peu. Moi, je suis level 34. Enfin, j'ai 34 minutes. Je reste un peu sur place d'ici. C'est bon, t'inquiète, voilà. Ouais, mais pour pouvoir essayer de. Ah oui, tu. Oh purée, effectivement. Oh purée. Oh. Ah, c'est le ghetto. Oh, hein. Comment. Essaye de. Il est où ton corps? Il est où ton corps? Je le vois pas. Il est en dessous, là où je suis. En dessous, okay, là où il y a la Reaper. Okay. Viens par la Reaper. Tiens, on passe à bugger, ok. Je pense. J'ai planté. Venez. Non? Peut-être? Ok, c'est bon. Allez, viens, on se casse. Je crois que j'ai planté. Non, ah non, c'est bon. T'as réussi à sortir ou pas avant de planter? Ouais, je suis dehors. En fait, c'est bon, c'était juste le chargement du coup de la map à l'extérieur. Eh bien, on s'en va, Fix. Et je pense que je suis safe ici. Et je vous attends à la sortie. Ouais, ça marche. Ouais, vas-y. Bon, on l'a fait, c'était incroyable, hein. Franchement, c'était complètement inattendu en plus, et c'est peut-être le timing, enfin la fécondation par une queen la plus incroyable qui m'est jamais arrivée. Au fin fond d'un truc avec le cœur de Rockwell, avec des monstres de partout, la première queen elle était invisible, il s'est fait féconder sur le giga. Enfin... tu la voyais? À ce moment-là, non, pas sûr, hein. Non, je ne voyais rien du tout. C'était n'importe quoi. Je vais pas me mettre là-dedans parce que je sais plus, je suis plus tout à fait sûr si oui ou non ça tue le bébé quand on se met dans le récupérateur. Il me semble qu'on peut l'XP comme ça. Mais vous savez quoi, je vais pas le tenter. Je vais aller prendre le Rex. Il est où l'autre Rex? C'est toi qui l'as sur toi, Vixie? Non, il est rangé. Pas du tout.
Il est rangé en cryo? Ben... Ah non, il est en bas, il est là, je dis des bêtises. Ok, je vais les faire. Ça marche. Et bah du coup, deux portes. Ouais, je te là, fais de... Je te l'ai fait en double ou pas en double? Oui, en double, ouais, c'est bien. Pourquoi ça, je peux pas l'utiliser? Allez hop, tout en attaque. Ils sont vraiment pas incroyables ces Rex, hein. Mais bon. On a été mal habitués aussi, il faut dire. Non, j'arrive pas à l'utiliser ce truc-là, c'est fou ça. Et si tu peux me faire. Qu'est-ce que c'est? Deux murs en. Comment c'est censé. Ok, d'accord. Non, j'ai rien dit. Ah, bah si. Tu fais du plafond peut-être. Ouais, voilà, c'est ça. Ça combien je t'en fais vite. Oui, s'il te plaît. Allez, le petit de Pixie Roux va naître. Ça va être un beau bébé. Oh. Tu as des phéromones sur toi, c'est bon? Absolument. Dans ok. 30 secondes, c'est bon. 30 secondes. À 10 secondes. Oh, il s'est mis à pleuvoir. Bébé plus vieux. Bébé heureux. Hey, bébé heureux. Ah oh, ouais. Et attention, on fait un dernier wiggle pour la route. Avec ton gros bidon. Allez hop. Arrête. Le secoue pas trop, il va devenir gaga sinon après. Allez, un dernier pour la route. Jamais 203. N'importe quoi. Allez. Celui-là. On mange la phéromone. Pouf. Il va devenir fou quoi. Nous il faut qu'on s'éloigne. On s'éloigne un peu je crois. Nous on s'éloigne un peu. Ouais, je... j'en ai pour 10 secondes. Non, c'est bon. Il nous voit pas. 5 secondes. Attention. Ah là là, c'est maintenant. Ah là là, c'est parti. Oh, oh, allez. Oh, allez, je pleure. Oh, il est beau. Allez, claim-le. C'est bon, il est claim. Allez, oh, super. Bravo. Niveau 95. C'est beau, ça. Bah oui. 75 plus 20. Ah bah ouais, c'est vrai. Non, c'est pas la moitié, c'est 75 plus le level de ton ex-femme, du coup. Ah, mon ex que j'ai tué, oui. En fin de compte. Oh, c'est horrible. Ok. Mais en vrai, il est vachement beau. Mais ils vont être superbes, hein. Oh là là. Puis en plus, c'est des R, donc ils auront meilleure résistance, ce genre de truc. Bah, si c'est comme pour les X et Genesis 1, il y aura 40% de résistance en plus. Donc c'est pas mal. Après, bon, le Reaper King, c'est pas incroyable comme bébête en PVE, c'est pas vraiment de bon, mais ça reste toujours génial à faire, je trouve. Bah, c'est marrant quoi, comme bébête. Ouais, c'est stylé. Et puis le timing de ce truc là est juste trop stylé. Je crois que ça fait partie des plus simples à faire. Trop bien, trop bien. Ok, on va faire un test. Oh, désolé. T'es fou, hein. Tu ouvres. Approche. Allez, viens par là. Ah putain, ça marche, je crois. Attends, on essaye. Vas-y. Ah, il est pas dedans. Attends, je le vois pas. Ah ouais, mais il faut peut-être que tu descendes de la salle, par contre. Ah si, il est dedans. Voilà, attends, arrête. Attends, bouge plus. Ne bouge plus. Attends, il me faut des baies. Non, il faut de la viande. Non, mais c'est pour que lui il puisse tac enable nursing. Ah oui. Il est où? Tu dis que tu vois la queue qui bouge? Ouais, alors, attends, j'essaie de te... Voilà, là. En fait, le bébé est au niveau de sa patte, là. Je sais pas si tu le vois. Ah putain, oui. Voilà, c'est un peu glitché, mais bon. Oh mon dieu! Et est-ce que j'arrive à interagir avec le. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein. Non, mais... elle le touche pas, c'est pas le tien. C'est pas grave, dans tous les cas, c'est un test, hein. A besoin qu'on prenne soin de lui, je le vois là, attends, j'arrive pas à accéder à son inventaire. Dans 1h40, je pense. Ouais. Attends, je pense que pour accéder à son inventaire, il faut se mettre au niveau de. Oula! Oulala! C'est lui, je pense qu'il a tapé le Maywing du coup. A mon avis, c'est quoi s'il faut. Ils avaient pas prévu ça, les mecs. Ah. Aïe! Non, en fait, il attaque uniquement. Ok, j'ai pu accéder au bébé. En fait. Alors, est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il mange? Non, en fait, il attaque le Maywing uniquement quand moi je m'approche de lui.
Ok, donc reste bien dans l'inventaire, bouge pas, j'arrive. Alors ça dérange pas, je vais le décaler un petit peu de My Wing pour pouvoir accéder plus facilement à l'inventaire. Parce que vas-y, là, vas-y, ça me dérange pas du tout. Le pire. Alors, il y a des trucs. Ça, parce que je suis bien full. Fais attention à toi, hein, t'es bientôt en. Ouais, ouais, 5 minutes, ouais. Enfin, t'es déjà en ça. Est-ce que j'ai pris. Ok, je suis dans le bébé multipass. Ok, tac, je mets des baies parce que lui il fonctionne à la baie, je crois, le Maywing pour nourrir. Il est en train d'être nourri, il se nourrit. Il se nourrit, il a rien sur lui dans son inventaire, on est d'accord? Non, il a rien dans son inventaire. Oui, je vois, non, mais je vois, il bouffe la viande. Ouais, ouais. Bah, il bouffe la viande de ouf. Mais je suis pas sûr qu'il y ait besoin de baies, hein. Non, 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 c'est de la viande qu'il mange. En fait, il faut simplement mettre le... La nourriture que... Ouais. Il faut pas trop s'en approcher parce que sinon, promenade, il va mourir quoi. Ouais. Il lui fait... Non, mais il lui fait. Arrêtez, il lui fait pas de dégâts. Hein. Non, ah, je sais pas, moi. Mais... Non, non, il lui fait pas de dégâts. Mais en fait, non, parce que le bébé, il va attaquer uniquement les humains. Il attaque pas les dinos. Je crois. D'accord. Donc, on a un bébé alien dans le ventre. Du coup, on accouche et en plus, on le nourrit. Avec du lait d'un autre dinosaure un peu bizarre. C'est incroyable là ce qui se passe quand même. Un alien nourri par un ornithorynque, on aura tout vu. C'est incroyable. Non mais les idées de fou qu'on a quand même, hein. Franchement, faut y penser. Hein. Bon, eh bien, je vais une nouvelle fois sur ce jeu accoucher. Malheureusement, le bébé, apparemment, ça se présente mal, il s'est présenté en siège là. Et du coup, il va falloir faire une césarienne. Le truc, c'est que ça a la particularité que c'est lui qui fait la césarienne, en fait. Il est à la fois chirurgien et voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc ça va pas être fait très proprement. Oh, je vomis sur la chaise. Oh là là. Terrible. Terrible. Salut, mon petit. Ouvre pas la porte, hein. Ok. Mon petit, c'est mon petit chat. Bon bah oui, hein. Je dirais pas qu'il est beau, mais Il est comment? Déjà, il a l'air plus vivace que celui de Pixie Roux, hein. Ah moi, il est amorphe, le mien. Il est un peu vert, un peu. Mon Dieu, mais il saute. Il est pas incroyable. Après moi ou? Moi, il fait connaissance avec mon petit chibi, trop mignon. Oh. Ils se font des petites papouilles, incroyable. C'est pas très beau, hein. Et en fait, ça a pas d'yeux, ça a pas d'oreilles. C'est pour ça que c'est hyper agressif, c'est parce qu'il sait pas où il est. Mais c'est ça, le pauvre. En même temps, t'as vu, il change d'environnement instantanément, donc bon. Ouais, c'est ça. C'est un ventre chaud, il a toute la nourriture qu'il veut. Et il était bien. Il était bien dans le bidon de papa, c'est sûr. Hein. Je trouve que papa est bien vivace, hein, après cette fumée. Oh oui, ça va. Non mais ça va, c'est juste une petite cicatrice, franchement. Eh, hey, on a connu pire, ça va. Ok. Alors, est-ce que vous voulez essayer de le mettre du coup dans le... On attend le premier pourcent peut-être. Ouais, pourquoi pas. Oh, quoique... Je te laisserai... Allez. L'honneur. Allez-y. Non, moi je vais faire une boulette. Hein. Pique-pé-le. Moi je vais drop baby là. Pick-up baby. Ah zut. Alors attends. Je pense qu'il faut que tu avances un peu. Ouais, alors comment on va t'appeler ? Monte dessus. J'arrive. Non mais c'est pas grave. J'arrive. Je monte dessus. Je suis trop lourd en fait. Monte dessus. Je suis là. Tu l'avances un petit peu, mais mets la tête dans le trou. J'arrive, je suis là. Moi je peux le faire, moi d'en bas. Il faut que vous montiez sur le voilà et je vais le voilà. Bouge plus. Oh, allez, ça y est, nickel. Ça y est, il a ses deux sacs. Voilà, bouge plus. Oh, bouge plus. Parfait. Change rien. Tu remets le. Je remets le toit. Ah, c'est technique quoi. Oh mon Dieu. Ouais, ils ont ah oui, non, je peux pas décoller, j'ai plus mon armure. Vous vous rendez compte qu'on fait
de l'accouplement, de la repos de bébé en hyper vitesse. Et il nourrit encore, lui ? Ouais, c'est bon, il cliche. Ok, ben nickel, il n'y a plus qu'à attendre maintenant, le cuddle et tout ça, tout ça. On est comment là ? Normalement, je devrais pouvoir m'approcher vu que j'ai la phéromone. J'aimerais bien pouvoir interagir avec mon petit. Ok, parfait. On est bon. Il va falloir blinder 14, 72, 71. De viande. Ouais. Parce qu'ils puissent pas bouger, c'est pas grave. Mais parce que ça mange vite, hein, ces bébés. Est-ce que vous avez de la viande sur vous? Moi, j'ai tout donné. Pas du tout. Je vérifie qu'ils soient nourris quand même. Ouais, c'est bon. Après, il a mangé celle qu'il y avait là. Écoute, je vais aller en chercher vite fait. Toi, quand t'as essayé Pixirou, on est d'accord qu'il avait pas de viande sur lui, ton truc, hein? Il n'avait rien du tout. Était... 475, je vais vérifier. Oh, il se fait tronçonner le bronto derrière, c'est horrible. Oh mon dieu. Bah, tu veux de la viande? 1600. Bah, tu peux tout mettre dans le Mewing du coup. Est-ce qu'il a le feeding activé? 810, ouais, c'est bon, ça marche. C'est nickel. Parfait. C'est une histoire rondement Mewing. Ah là, ouais. Ah, et puis le coup du Mewing, franchement, c'est trop pratique. Hein. J'avoue. C'est bien, mon petit, hein. C'est bien. Allez, ça y est, mon petit a grandi et en tant que père, je ne sais pas si je peux le dire, mais qu'est-ce qu'il est laid! Oh, il est moche! Tu es moche, mon petit. Mais bon, ça va, tu fais l'affaire. Level 133, un peu de PV. Il avait une vingtaine de KPV. Bon, j'ai un peu mis des stats, ça y est, j'ai commencé à le up. Je ne vais pas vous présenter le Reaper King. Hein. De toute façon, je pense que on connaît tous. Je sais pas, je vais aller le pex un peu, je pense. Et puis... Et puis, à mon avis... Est-ce que je vais réussir à le toucher? Non. Et puis, à mon avis, ce qui peut être pas mal, c'est de m'en servir. Mais bon, j'ai peur que si je fais ça, il meure. Mais ce serait de m'en servir pour retourner en bas. Et tenter d'apprivoiser maintenant, trouver une queen plus HL. 150 serait le top. Parce que 20k PV, c'est tanky. Après, ça a pas de sel, donc ça a peu d'armure. Mais bon, ça reste tanky. A voir. A voir, je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Bon, enfin voilà, après c'est un Reaper King, hein, on connaît, on a déjà fait ça plein de fois. Donc je vais le monter en PV, je pense. Je sais pas si c'est ce qu'il y a de plus intéressant, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Histoire de vraiment avoir un truc qui tank. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Franchement, c'était incroyable, parce que alors, je ne m'y attendais, pas du tout à ce qu'on croise une queen là-bas dedans. Pour moi, les queens, elles étaient sur aberration et puis c'est tout. Donc, cool. J'espère que vous vous êtes régalés. Je vous ai fait l'épisode en deux parties parce que j'avais quasiment 2 heures d'enregistrement et que sur ces 2 heures, bah, il y avait quasiment rien à jeter et que tout était, je trouvais personnellement, intéressant. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir suivi l'épisode. Je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures vraiment merveilleuse sur Ark Genesis partie 2, alors que tous les poissons que je suis allé pêcher, hein, vous vous souvenez, pour faire les Shadow Main, tous les poissons sont en train de mourir, et je ne sais pas pourquoi. Ils ont à manger, je sais pas. C'est bizarre. Ils sont peut-être dans de l'eau qui leur convient pas, j'en sais rien. Bref, merci tout le monde, à bientôt, salut!